Ouais, elle est vraiment géniale cette carte là. Ouais, il y a même des fleurs. Ah, c'est génial. Je vais les utiliser pour décorer chez moi. Ouah, c'est mon jour de chance. Bon, je vais regarder si on n'a pas d'autres par là peut-être. On sait jamais. Waouh! C'est déjà la nuit? Ouh, je devrais vite rentrer chez moi. C'était pas par là? Non. Pas par là non plus. Peut-être par là? Mince, je sais plus où c'était. Ah, mais je suis perdu là. Mais je suis perdu, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais en plus. Ah! Il y a des creepers! Mais il y en a d'autres? Oh. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, j'ai aperçu de la lumière là derrière la cascade. Mon dieu, je suis toujours poursuivi par les creepers. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ah. Qu'est-ce que je vais faire? Oh. Oh, si je pose. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est? Waouh. Bizarre. Petite salle étrange. Ok. Ah, on dirait une sortie. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-haut? Encore des monstres? Non. Un bouton. C'est bizarre. Waouh. Ah mais c'est génial. Ah, j'ai enfin pu échapper au creeper. Eh, hey, j'aperçois de la lumière là-bas. C'est sûrement chez moi. J'en peux pouvoir rentrer. Ça, c'est cool. Salut tout le monde, c'est Panto. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui va vous présenter un système redstone assez intéressant. Donc, ce système redstone, pardon, va vous permettre d'ouvrir une porte ou ce que vous voulez, tout simplement en utilisant une fleur. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Vous aurez besoin d'un outil pour creuser. Vous aurez besoin de deux pistons collants. Deux pistons simples, deux torches de redstone, de la redstone, un repeater, une plaque de pression en bois, une fleur jaune, rouge ou même un champignon, un seau d'eau et un bateau. Alors commençons tout d'abord par creuser un trou. Ensuite, sur un des côtés, sur un des blocs adjacents à ce trou, vous placez votre eau. Vous voyez que l'eau va dans le trou, donc ça marche si je le fais de partout, vous voyez. Ensuite, vous creusez deux blocs comme ceci. Vous placez vos deux pistons simples qui regardent à l'opposé de l'eau, de où l'eau s'écoule. Donc ça, c'est le système de BUDS. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un anglais. C'est un système assez connu qui permet beaucoup de systèmes redstone. Ensuite, vous creusez ici une petite cuve de 2 sur 3 et vous placez votre plaque de pression dans le coin ici. Ensuite, creusez un bloc, vous mettez une redstone et une torche de redstone. Donc vous voyez que la plaque alimente la torche. Alors maintenant, il va vous falloir relier cette torche de redstone aux deux pistons. Donc vous procédez comme ceci. Alors ici, c'est très important, vous placez un repeater sur le piston du bas. Le repeater doit être placé au troisième cran afin que le piston du bas s'active après celui du haut. Ensuite, il vous reste plus qu'à faire la même chose et relié jusqu'au piston du haut, comme ceci. Alors maintenant, vous remarquez que si on appuie sur la plaque, le système s'active. Donc maintenant, tout simplement, vous placez un bateau ici. Voilà, votre BUDS est complet. Alors, à quoi sert le BUDS? Ben, tout simplement, vous voyez la source d'eau ici, là où je suis. Si un des blocs adjacents, donc de chaque côté, en dessous ou celui du dessus, est changé. Donc par exemple, je vais poser un bloc, l'eau va s'écouler. Donc démonstration, je pose un bloc, vous voyez, l'eau s'écoule. Alors grâce à ce système, l'eau soulève le bateau, qui va désactiver la plaque de pression, qui va réactiver les pistons pour réinitialiser l'eau, et le bateau va retomber. Et donc si je l'enlève, vous voyez que ça refonctionne et ça se réinitialise tout seul.
Alors maintenant, on va sélectionner le bloc qui sera mis à jour. Donc moi je vais sélectionner ici. Donc vous placez un cube de terre afin de pouvoir poser une fleur. Donc vous posez la fleur, vous voyez que ça s'active. Mais le problème c'est que la fleur, une fois qu'elle est mise, ben il n'y a rien pour la bouger. Donc ça c'est très simple. Vous mettez un piston collant et un bloc. Et il vous suffit tout simplement de le relier à la torche redstone de sortie. Donc cette torche redstone sera, c'est vraiment la torche principale de tout le système, c'est elle qui active tout. Donc démonstration, donc voyez là ça a réactivé. Je pose la fleur, le système s'active et la fleur est tout simplement enlevée. Voilà. Donc maintenant il vous reste plus qu'à déterminer l'endroit où vous allez faire votre cachette secrète ou mettez votre porte ou ce que vous voulez. Moi je vais creuser ici. Donc je vais creuser un petit trou comme ça. Alors voilà. Donc vous allez faire comme ceci. Donc votre piston, vous allez le mettre. Bah, ça dépend où vous mettez votre bloc. Moi je vais mettre le piston collant ici. Donc comme ça vous avez le votre bloc là qui refermera ici, comme ça. Et donc bien sûr c'est comme ceci. Bon, c'est pas grave. Donc comme le bloc doit être fermé à la base, il faut que le piston soit activé. Donc pour ça, il vous suffit juste de mettre un inverseur. Une torche redstone. Le tour est joué. C'est vraiment pas très compliqué à faire, hein. Alors maintenant, ben, ce qu'il va vous falloir faire, c'est tout simplement relier cette torche, enfin cette torche qui active le piston, à la torche principale du système. Donc, en résumé, vous allez placer votre fleur qui va activer le BUDS. Le BUDS va aller à cette torche. Ensuite, cette torche va activer le piston ici qui va enlever votre fleur. Et en même temps, va aller jusqu'à ce piston qui va vous permettre de descendre dans votre cachette secrète. Alors, si par exemple votre cachette secrète n'est pas juste à côté et qu'il vous faut du temps pour aller jusque-là, vous rajoutez tout simplement des répéteurs en fonction du délai dont vous avez besoin. Alors ici après, hein, vous pouvez reboucher, hein. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Je pose la fleur. Hop, je tombe dans la cachette. Alors, est-ce que je peux sortir seulement? Ok. Simplement coincé comme un gros boulet. Voilà. Bon bah je creuse pas la salle en dessous parce que c'est pas très intéressant. Enfin, si vous la voulez vraiment, bah, vous mettez sur pause dans la petite vidéo précédente. Et donc dans la salle en dessous, j'étais remonté par une échelle et j'étais sorti par une petite porte à piston toute simple. Faite à l'arrache, hein. Mais si vous voulez, je vous la montre quand même. Donc pour faire ça, vous aurez besoin d'une torche de redstone, de deux sticky pistons, de blocs, et d'un bouton. Et je vous montrerai avec le levier. Donc, je vais mettre les blocs de laine pour symboliser la stone dans la vidéo par où je sors. Alors, il vous suffit de mettre ici deux pistons collants. Alors, ces pistons, bah, vous allez devoir les activer. Alors pour les activer, c'est très simple. Torche de redstone, voilà, ils sont activés. Et maintenant, bah, tout simplement, il vous suffit de relier ça à un bouton. Donc, sachant que ici c'était l'échelle, il vous suffit tout simplement de relier ici au bouton. J'appuie, je sors.
Alors, pourquoi utiliser un bouton et pas un levier? Parce que tout simplement, le bouton, après, ça se désactive. Si vous laissez un levier et que vous sortez, ben, la porte sera toujours ouverte derrière vous. Ici, j'aurais quand même pu mettre un levier parce que c'est juste dans l'axe. Donc, je vais quand même vous montrer avec le levier. Je l'active. Là, vous avez tout votre temps pour sortir, hein, et puis vous fermez. Mais si par exemple le levier aurait été ici et où ça aurait été plus difficile d'accès, ben, un bouton c'est toujours plus pratique. Je vous mets une petite vue d'ensemble. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Que vous l'utiliserez, que ça vous plaît quoi. N'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao tout le monde, bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo et à plus pour le prochain épisode.